Bonjour à toutes et à tous, c'est Serekai et je vous retrouve sur Victoria 3 avec un pays qui est dur à jouer, le kebab. Donc, l'Empire Ottoman qui est en pleine période, qu'on va dire, c'est pas un âge d'or, c'est un âge sombre plutôt, hein. Voilà, reprend la Syrie, urbanisée, réforme l'éducation, réprime le séparatisme, on est à la merde. Bon. Et le problème que c'est? Donc déjà, régler les problèmes dans le journal. L'homme mal de l'Europe. Faut que je termine 4 des entrées. Faut que je sois incorporé qu'un centre urbain. Que j'ai une fac de niveau 5. Que je garde le séparatisme pendant des années. Faut que je recherche les la guerre napoléonienne. Et que j'ai réprimé la bureaucratie. Putain la vache. Et moi cette thune, c'est pourri! Bon, priorité. Société, il faut la guerre napoléonienne déjà. Donc dans le militaire. Oh, j'ai pas infanterie de ligne, ça pue. Bon alors, très vite. Bâtiment, enfin développer un petit peu l'économie du pays. Bâtiment en fer, putain, pas en bois, bande de crétins. Ensuite, une fois ça, il faudra qu'on construise très vite. On construise du bâtiment. Ensuite, il faut qu'on se rapproche absolument des autres puissances européennes. Je veux dire, je vais surtout pas me permettre de me prendre une déclaration de guerre dans le cul. Je sais en plus que niveau 10, ça craint. Il faut améliorer nos relations avec tout le monde. On perd de la thune. Bon, une bonne chose. Ces pays-là. Ok, c'est... Accord d'indépendance. Ils sont quel type? On va un peu diplomatie. Protectorat, d'accord. Va falloir que je casse la gueule à l'Égypte. C'est elle qui va me faire chier. Donc la priorité, ça va être faire en sorte de... développer l'économie, surtout. Ouais, ça fait 14 000 de thunes qui rentrent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'administration dans pas mal de provinces. Et où est-ce que c'est le problème? Alors. Ok, tous. Huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça, il faut absolument que je fasse des réformes. Donc, dans les lois, il faut absolument que je réforme un truc. Que je fasse des bureaucrates nommés. Il faut faire cette réforme-là très vite. Là, elle va faire chier. Qu'est-ce qui va la faire chier? Les gouvernements locaux. Je crois moins de ramener ces connards à l'obéissance. On va mettre tout le monde au gouvernement. Donc, faut vite que je reconstruise un petit peu le pays, que je fasse l'administration. Ah, si, ça va. Oh, c'est la loose totale. Faudra également que je fasse de l'économie, hein. Là, le problème, c'est que je dépense mon or. Agrandir mine de fer à Skopje.
On va le faire ça, à se copier, hein. Mine de fer. Regardez ça le problème, moins 15% d'impôts. C'est pathétique! Vous voyez pourquoi est-ce que il faut absolument que je développe le pays? Parce que. Accord de couloir révélé. Vous allez me dire que ma loi là, elle a combien? Oh, la loose totale. C'est 0%. Je regarde mon journal. Ripley séparatisme. Il me faut une fac niveau 5. J'urbanise le pays. Niveau... Tous les as sont incorporés, ouais, tout est incorporé, heureusement. Alors si j'échoue, j'ai l'événement le mort de l'Europe. Et je suis dans la merde. Il va falloir faire entrer du pognon très vite dans les caisses. Lutte bureaucratique. Ça prend le temps qu'il faudra, mais il faut que je fasse cette réforme. On peut faire des propositions de réforme, hein. Les cyniques vont arrêter de me casser les couilles. Et puis je vais faire un truc très simple, c'est que je vais d'abord faire passer... Les mines après tout, si on peut faire passer des mines en développement, c'est bien intéressant. Qu'est-ce qui peut rapporter du pognon aussi rapidement? Le tabac! Et là, on peut faire quoi? Donc là, la gamme peut-être, on va essayer de développer un petit peu rapidement, surtout, l'économie, la bourse. Moi, ça leur disait. Mon pays est vraiment dans la merde, c'est vraiment un cadavre puant, ce machin. Il n'y a pas assez d'outils, en plus. Oh. Ce que je veux en plus, hein. Avec les outils, je la veux plus haut. Bon, développement des industries minières. On a fait ça. Attention au sultan dans la promulgation de la loi. Oui, tu me déverras pour me faire plus de 20%. Bon, avec les outils de plantation de tabac, ça se développe. Maintenant, il me conseille de faire des aciéries. Bon, bah, on va faire aciéries plus tard. Le problème, surtout, c'est que je perds énormément d'argent à cause de cette administration qui est défaillante. Je vais fermer les autres administrations. L'important sera pas de créer d'administration, sera surtout de faire l'économie. On t'aura tous merdier. On va essayer de faire un peu de chèvre. Comme ça. Les meubles de l'insurrection. Erzurum. Anima. Les orthodoxes
s'en fout. On réprime. On réprime ces connards. Le bureaucrate nommé, j'ai 20% de chance de réussir. 32 qui a un débat. Ah, les Zulimas sont contents. Plaisir d'autorité. Bah, faire un truc avec l'autorité. Consommer les crevards. Oh putain, vous faites chier! Putain, 10%, mais merde! 10% de chance que ça passe. Suer! J'ai vraiment pas de chance, hein. Bon, ça, ça avance peu à peu. Ah, reprends la série! Enfin, coup diplomatique alors, coup diplomatique. J'ai une relocation en janvier 38, c'est pas grave. En janvier 3, voilà. Mais ça fait tenter de reprendre la province. Alors, tous ces pays-là auront un intérêt, par contre c'est... Y'a que les Russes et les Sikhs qui pourraient s'impliquer. La démarche c'est... Alep, Syrie, Liban, Palestine, Trelawney, Elena, ok. Alors... Il s'est emparé de la plupart des provinces quand son gouverneur a tenté de rester dans son gouvernement impérial. Voyons ce que grand sens soit de notre côté. Surtout aux Autrichiens et aux kebabs. Là c'est Alep. Liban. On va essayer de tout prendre. Oh, c'est quel pas. Puis après, si on peut se récupérer la... peut-être la crête. On aura pu, peut-être un jour, espérons-le, hein, reprendre peut-être tout l'Empire Ottoman. Et si un jour, je réussis à récupérer toute l'Arabie, l'Égypte, la Tripolitaine. C'est pas sympa, non? Donc, quel pays va venir vouloir soutenir les autres cons? Personne. Bureaucrate nommé! Hourra! La réforme est passée! La réforme est passée! Donc, si je garde mes lois, déjà. Il y a des pognons qui rentrent! Vous savez pourquoi? Parce que ça se passe mieux! Donc, il faut que j'ai la. Il faut pas que j'ai la fiscalité foncière. Donc les lois... On a l'impression par tête. Et pour ça il faudrait quoi? La monnaie standardisée. Je vais faire passer cette loi là, la force police spécialisée. Et on va faire un petit peu de développement économique avec des aciéries.
On peut construire sa scierie où? Ici, on va tenter un truc. Donc là, on pousse un petit peu ici, c'est une bonne nouvelle. Là, on échoue à percer. Ah, c'est moi, merde, qui perd. C'est pour tenter un débarquement chez ces connards. Avec Abdulazine Nadid Pacha. On va tenter un coup. On tente la défense. On tente de rester en défense et on tente de percer ici. Là on avance, faut qu'on avance vers le Caire. Faut qu'on avance vers le Caire. Le Rantu s'en fout un petit peu. Je fais quand ce débarquement? T'envahis ici? T'as foi que de vieille merde? Bon, faut qu'on trouve un moyen de vite pouvoir régler les problèmes. Allez, faut avancer là les gars. Allez, on s'est poussé, bande de connards. Fais quelque chose. Je sais que mes gars sont nuls à chier. Ils sont nuls, putain. Et en 15 jours là, vide, croyez-vous là? Bon, toi, tu vas faire une avance du front ici. Où toi d'avancer? Faut prendre le Caire. Ah, oh, super, la loi est passée, parfait. Donc, tant qu'il a pas Mossoul, c'est bon, je peux pas perdre le score de guerre. Et je suis en train de l'user, l'Égyptien. L'attaque par derrière a été absolument vitale. C'est magnifique. C'est qui là? C'est 55. Là, ça fait couper en deux, c'est génial. Là, vous grouillez, vous m'avancez, tout dans ce bordel. Et l'armée, vous allez pas activer les conscrits? Conscription, vite. Là, on va en chier. Bon, faut que l'autre con arrive. Voilà, 100%, on gagne. Donc là, on va essayer de faire passer à la bourse. On va essayer de faire passer l'autre loi. La loi sur... l'imposition par tête, il faut quoi? Il faut un autre système. Je fasse ça, d'accord. Et après, je pourrais modifier la loi. Oh, c'est chiant. Quelle purge. Alors toi, par contre, du con. Les mecs, faut un petit peu avancer là. Vous arrêtez de glander. En train d'user l'Égyptien là. Il a bien avancé ici, et bon, le problème c'est que j'ai réussi à percer ici, à Dana. Là c'est shit hole de façon.
On va développer le secteur de construction dès qu'on pourra. Oula, on se retrouve au bureau de merde. Allez. On s'en fout. On avance là, c'est de con. Y'a rien. Percez-moi tout ça. Là, on s'en fout, y'a rien ici. C'est pas grave. Faut juste qu'on bouffe là. Qu'on prenne sa capitale. On les a besoin de crever ce con. Et elle refait tout ce que, quasiment tout ce que je veux, sauf la Syrie. Bon, c'est pas grave. On le tapera plus tard. Bon, bonne nouvelle, c'est bien passé ici. Juste un petit problème, construire l'administration. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les Géorgiens. Alors, le point de vue des Géorgiens. On s'en bat les burnes. Le col foncier ottoman. Allez. Instaurons un col foncier. Instaurons un col foncier moderne. Il nous faut un col foncier moderne. J'ai plus que 16 ans pour faire les réformes. Bon, c'est vraiment la merde partout dans le pays. Hein. Je vais de faire au moins l'administration gouvernementale ici. Pour chacun dans 10, dans 10 mois. Sinon, parce que le pays est là, c'est vraiment la loose totale ce pays. Là, qu'est-ce qu'ils veulent? De promotion. Allez, t'as gagné ta promotion, mon gars. Ankara, c'est la loose. Regarde-moi ça, Ankara. Vu dans la province. Pff, bon, 22% de collecte d'impôts. Tu m'étonnes que je suis dans la merde. 33 000 dans le fonds d'investissement. Vous allez voir que le fonds d'investissement, ça va monter. C'est le prince là. Combien ça coûte? 25 de bureaucratie, là ça coûte 24 et là 13. Ah, regardez, l'administration ça monte. Traité inéquitable. C'est scandaleux. Rejetons un peu cet accord. C'est aussi inéquitable que ça. Tant que je travaille sur la liste, je suis la merde, je peux pas faire de progrès. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Les paysans veulent pas enregistrer les terres. Par exemple, ils ne veulent pas. On va réprimer la révolte, on envoie l'armée. On envoie l'armée dans la gueule à ces connards, ça va les calmer. Je traite avec l'Egypte. Je traite avec l'Egypte jusqu'en 1844. Petit problème ici. Fonds d'investissement augmente, d'accord.
Normalement, c'est le fonds d'investissement qui devrait être vidé. Pourquoi est-ce que le fonds d'investissement n'est pas vidé, justement? Très soyez, ce que ça me permet de faire. Infrastructure et centre de commerce. Oh, je comprends mieux! Je peux dire que dans l'infrastructure, là il n'y en a pas. Et centre de commerce, c'est-à-dire les villes. Technologie, il faudra évidemment que je fasse très vite la HC centrale, ça, putain, ça prend 7 ans. Pff, la merde. On va essayer de refaire un peu le pognon là tranquillement. ...25 pour incorporer. Agraire, on va supprimer ça. Tant pis. C'est quoi comme loi qui pourrait être... Qu'est-ce que je pourrais faire pour réformer le pays de merde? Université. Et j'affabilise... Putain, c'est loin quand même. Donc j'ai des centres urbains dans tous les pays, enfin dans toutes les provinces. Bah t'es où, il faudrait 250. Il ne faudrait pas que j'ai le vœu paysanne, il faudrait une nouvelle réforme. Tiens, armée professionnelle, on peut faire ça. Pas trop me faire chier, c'est con, j'espère. Gouvernement locaux, oh. Les syndicats, de toute façon, ils vont se faire casser la gueule, ils servent à rien, les machins. Alors, les... Couture artisanale, ça pourrait être bien, ça. Ôter les tours. Il va falloir absolument que je fasse ces réformes à la con. La bourse, bon. Développons le pays un petit peu. Ensuite, le gros problème dans l'économie de ce pays de merde. Alors, on va un petit peu essayer de reconstruire un petit peu. À 2600 comme d'argent avec les impôts. Bon, la réforme est passée. C'est à dire quoi? Ça veut dire, regardez ça. Alors, réprimer le séparatisme, ce sera bien. Lui, il va risque de passer. Il y a un petit problème là, il va falloir faire passer vite la réforme. Normalement, ça va être bon. Le nombre de bataillons de la paix automatique est supérieur à 250. 70, aïe. Bon, après, dans les lois. Est-ce qu'on peut tenter de basculer ça? Non, parce que j'ai le traditionnalisme. Je vis le traditionnalisme pour le remplacer par. Ah, il faut que je vive le servage.
Ouais, c'est bon, c'est bon, ça abolit le servage pourtant. Attendez, malgré, ouais. Voilà, là on va laisser tranquille. Rejoins l'état, on va laisser tranquille tel que c'est. Recréer une guerre nationale après tout. Ça coûterait beaucoup de bureaucratie par contre, hein. Voilà les femmes, tutelle légale, on va peut-être pas non plus toucher à ça. Nouvelle esclave. On va laisser faire, hein. Enfin, tous les gens sont contents. Pas d'école. École religieuse, personne va s'y opposer. Ça sera de développer un peu le niveau du pays. Allez, développons un peu ce pays. Et retournons là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye tout le monde.